Bonjour, bonjour, je m'installe, je m'installe, 5 petites minutes, ah j'ai oublié, salut ces trucs, alors, tonight, for your pleasure, ou pas. Qui décidait, je me fais un petit vidéo one shot, c'est-à-dire pas de montage, le moins de mise en scène possible. J'ai pas pu m'empêcher de faire des trucs, mais genre là c'est le micro donc ça se voit, là c'est la lumière donc ça se voit, donc mise en scène transparente, tout ça. Je prends une guitare, mais c'est pas pour voilà. Alors je vais pas faire le hipster avec cette coupe de cheveux plus longtemps. Tiens, bah, je vous présente Bouboule, ma peluche d'enfance que j'ai retrouvée. On s'entend à merveille. On va sortir un double album et une tournée en Australie exclusivement, parce que j'ai écrit qu'en argot australien. Non, du coup, un one shot, une petite vidéo comme ça, bram, parce que ça fait longtemps que je devais la faire, ça fait longtemps que j'avais envie de la faire, puis je la faisais pas. C'était pour des bonjours. Voilà. Donc je vous dis bonjour. J'espère que ça ne sature pas. Bonjour! J'espère que je suis accordé aussi. Je vais pas monter. Ah, j'ai pas fait la synchro. Je vais pas monter parce que je me suis rendu compte que je vous livrais toujours quelque chose de monté. Et c'est ben dommage parce que la vie, elle est pas, y a pas que du montage. Et comme je vous aime bien, comme dit Jean Sympa, de s'intéresser ou d'avoir la curiosité ou de, le hasard vous mène à cliquer à peu près n'importe où sur internet et vous retrouve devant moi. Donc du coup, quelque chose d'assez sincère, c'est ça le but du monomontage. Alors, improvisation totale, je vais peut-être vous parler de trucs, ça va peut-être être super long. Genre, j'appellerai cette vidéo tant de minutes, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Genre, tant de minutes avec trucs. Puis comme ça, bah voilà, genre si vous m'avez pas vu depuis un petit moment ou que je n'ose pas vous répondre à vos SMS depuis 5 ans, vous aurez des nouvelles de moi. Puis en plus, j'ai pas envie de jouer de la guitare. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Truc. C'est moi Truc. Je suis... Quel mieux qui me définirait mieux? Pas un statut, pas un... Je sais pas... Pas un statut social en tout cas. Ni un statut professionnel. Enfin voilà quoi, je fais des trucs, et d'autres, et d'or. C'est déjà, il y a une bouche dans le truc. T'as remarqué, j'ai mis un Polaroid, donc il y a quand même un peu de mise en scène. Je suis un énorme menteur, parce que bon, la vidéo, on sait, c'est 25 mensonges par seconde. 25 images par seconde, oh oui, explique pas. Je suis sur bon... Très très peu retoucher tout ça. De toute façon, je sais pas mixer le son. Et je me suis même pas fait chier. Je tourne en compressé, donc l'étalonnage, tout ça. C'est des termes techniques de vidéo parce que voilà, ouais, je fais des vidéos. Si t'avais pas remarqué. Pour les petits musiciens tatillons qui trouvent que je suis pas accordé, offrez-moi un accordeur électronique. Je peux posséder ça sur un ancien smartphone que j'ai, comme à peu près tout le monde, parce que c'est la mode, cassé. Donc je ne possède pas d'accordeur électronique ni plein d'outils super pratiques de la vie pour faire des choses bien. C'est pas le moment de faire des choses bien. Alors, j'avais trouvé un petit truc qui était sympa. Thank you.
Il y a aussi des fausses notes. Il y aura des blagues vaseuses. T'as déjà remarqué? Change your four weekends to song. It's everywhere we love gone. Such a sense to find we won't. The zip of four weekends on the wheels, on the zones. On the zip of four weekends. And I think it's off the phone. To pick a word again. C'est une langue que j'ai inventée là maintenant tout de suite. C'est du yaourt grec avec des vrais morceaux de grec, de des gens grecs dedans. Blablabla, Babylone quoi. C'est pas très pro, mais ça va faire aussi vidéo présentation de la chaîne. Caché dans tout ce tumulte. Je vais sur cette chaîne mettre des vidéos de skate, comme j'en ai déjà mis en fait. Donc bon, voilà. Parce que je fais du skate, et j'aime bien ça, et je pense que c'est cool à partager parce que des fois c'est impressionnant. Et pour ceux qui ne font pas de skate, j'espère que c'est divertissant. J'essaie de rendre ça. Universel, mais bon, c'est la pratique d'un sport particulier qui n'est pas franchement un sport, on en parlera plus tard. Il y aura des vidéos de musique parce que j'aime bien faire de vidéos sur les musiciens. Moi j'aimerais bien aussi vous livrer quelques harmonies de temps en temps. Il y aura des clips, il y aura des courts-métrages, des sketchs, des trucs vachement moins travaillés aussi. Ça veut pas dire que le reste du contenu sera travaillé. Et puis je vais essayer de vous faire kiffer un petit peu, autant que je kiffe, parce que bah s'il y a bien quelque chose à noter sur ma propre existence, c'est que je la kiffe. Hein ? On va pas se mentir. Non, on va pas commencer par là. Ça fait un petit moment que je n'entretiens pas beaucoup cette chaîne, que je mets pas beaucoup de vidéos, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce, que je donne pas beaucoup de nouvelles en soi. C'est parce que je faisais autre chose. Parce que j'ai besoin de me justifier, j'en ai rien à foutre. J'ai fini ma cigarette. Et du coup, elle joue ma guitare, hein, j'ai dû colorer avec mon amie Mathilde. Elle s'appelle Tar. Tar. Parce que Mathilde, elle a une guitare qui s'appelle Guy. C'est super original. Donc, qu'est-ce que j'essayais un petit peu de vous dire Ça, c'est le bruit d'une gélatine qui se barre. Donc, peu de mise en scène. Oui, bon, on essaie de... Bon. Tidaloum, on va peut-être prendre du tabac frais. Hein. Parce que figurez-vous que j'ai le moyen de me payer encore du tabac avec tout ce que tu fais. Et puis oh, tu vas me dire, on est en novembre, c'est le mois sans tabac, fais un effort et tes poumons et ta mère les poumons. Franchement, j'adore les gens qui font des enfants de sexe féminin. C'est pas à elles que je m'en prends vraiment, mais franchement, c'est quoi ces sons là? Il y a des sons, il y a des petits sons là, ça m'énerve. Meurs la mouche dans la LED! Ouais, tout longtemps ça chauffe pas. Ouais, donc une gélade qui tombe, bah voilà, on vous dit tout. Hein. On vous dit tout. Donc je relance la chaîne, en fait. C'est ça que ça veut dire. Tout ça. Bah voilà, j'ai pas arrêté de faire des trucs quand même, j'ai pas arrêté de faire des vidéos, absolument pas, même si j'ai hésité, parce que des fois tu croises la route de gens qui veulent pas que tu fasses des trucs comme ça, du coup je les emmerde, et je continue de faire des vidéos et de la création, hein. Peut-être que ça
fera peut-être pas que des vidéos, ce serait sûrement pas que des vidéos, parce que c'est chiant de faire qu'un truc. Mais principalement, hein, alimenter cette chaîne YouTube, multinationale rachetée par Google, pff, rien à foutre, Medium, oh, grâce à lui, je te parle. Et ça ne me coûte pas d'argent, très important. Le côté économique de tout cet aspect. Est-ce que ça tourne, moi? Ouais, Rex, c'est rouge, là ça tourne. Ouais, non, mon pouf, on sait jamais, je vais faire des grimaces. Non, je vais pas faire des grimaces. Donc, je relance la chaîne. J'ai tourné des sketchs cet été. J'ai tourné au Facebook, paix à son âme. Et bon courage, Ben. Facebook, le festival l'année dernière, j'ai tourné des très très belles vidéos, des choses avec mon ami Victor Chouty. Un bon gars, vraiment un bon gars. Allez sur, sur sa bite. Chaîne! Allez sur sa chaîne. Je sais pas s'il a une chaîne YouTube. En tout cas, il a des pages Facebook et il a un site internet qui est très bien foutu. Il passe beaucoup de temps à que ce soit très propre et ça l'est. Donc, big up, Victor Chouty. J'en reparlerai sûrement dans cette vidéo. Elle va peut-être faire 1 h 30 cette vidéo. Ça se trouve, c'est mon premier long métrage et je le sais même pas. Donc, Victor Chouty, CCCV. En ce moment, il est dans un crowdfunding sur Ulule pour faire un court-métrage qui n'est pas des moins ambitieux. Donc, n'hésitez pas à y aller, et à jeter un coup d'œil. Il a fait les choses bien, il a fait les choses en grand, et c'est cool. Enfin bref, l'année dernière, on est tourné du Facebook, on l'a pas monté. Non, le montage, c'est chiant. Du coup, on l'a pas fait. Mais on va le faire. Qui des idées? On va vous revenir tout ça à la sauce truc, évidemment. Des sketchs, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, l'année dernière, on a fait un clip, ça nous a pris plein de temps, plein de cerveau. Justement, à Victor aussi, vachement plein de cerveau. Un clip de Raccoon, artiste prometteur, très prometteur. Lucas, si tu nous regardes, checker Raccoon partout, sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux du monde. Donc du coup, Raccoon, un clip qui s'appelle The Wacky Curse, qui est un court-métrage clip qui pète et qui fait 6 minutes, et blablabla, il y a 600 plans, 600 cuts là-dedans. On aimait beaucoup, 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 beaucoup de nous, que ce soit Lucas, Raccoon, ou moi, ou Victor, on a tous investi, tous les trois, et même on n'est pas la seule, il y a aussi Marion que je dois remercier et que je dois supplier de ne pas m'en vouloir de lui avoir fait tout ça, qui a fait un making-of qui va s'afficher nulle part parce que j'aime pas mettre des vignettes, vous le retrouverez dans les descriptions, machin, je poste, vas-y, je poste. Du coup, The Wacky Curse, que je vous invite à aller voir parce que c'était un projet qui nous a pris beaucoup de temps, qu'on a beaucoup réfléchi, qu'on a beaucoup remanié, qu'on a beaucoup pensé, et du coup, il est en ligne, et c'est pas pour rien. Aller me faire péter les compteurs, parce qu'on met tout notre cœur là-dedans, on a mis notre fric là-dedans, on a mis tout ce que vous voulez, même des. Qu'est-ce qu'on a mangé déjà? On mangeait des choses super bonnes! Oh là là! Et comme c'était. Voilà, c'était le tournage, c'était en janvier dernier, donc ça remonte quand même. Donc ça, c'est disponible, allez le voir. Et maintenant, une petite chanson. Elle est passée à côté de moi, plein de dégâts de sang. Attends, je vais refaire cette phrase. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit à échappant, tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Je t'offrirai les perles des bisous. Plein de conneries autour de ton cou. Tu seras belle comme une reine. T'es une pétasse, mais je t'aime quand même.
tes extraits. Aïcha, Aïcha, vois pas tout ça. Une bien piètre reprise de ce tube millénaire que si vous êtes né dans les années 90, vous connaissez. Aïcha, c'est Khaled, je crois que c'est Khaled, je crois, je vais peut-être vérifier, ça se trouve, je vais pas vérifier, je crois que c'est Khaled. Très 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 repris, genre, réinterprété, genre, bon. Tiens, regardez, il y a un truc qui m'a fait rire, j'ai trouvé le rhum des transeux. Si c'est drôle, manifeste-toi. Si ça ne l'est pas, je garde pour moi. Ah oui, je bois, je fume, oh, je suis irrévérencieux. J'ai même pas pris ma douche avant de faire cette vidéo pour te dire à quel point je suis... Oh là là, le mec respecte rien. C'est un punk, c'est un marginal. Et j'en suis fier. Et je ne le suis pas pour rien, tout ça est très pensé. Pour rendre ça un petit peu plus intéressant, parce que comme il n'y a pas de montage, moi je suis obligé d'aller super vite parce que sinon il y a des moments de vide et oh non, on est sur YouTube, t'as zappé depuis déjà 10 minutes. Eminem, What Mile, 8 Miles, pas 1 Miles, parce qu'il a fait qu'un Miles, franchement ça valait pas le coup de faire un film. Il a fait 8 Miles, Eminem, évidemment, on cite les classiques et tout ça, et d'ailleurs un gars que j'ai découvert qui s'appelle Token, T-O-K-E-N, je vous invite à aller découvrir cet artiste américain rappeur qui a un flow très similaire à Eminem, mais qui... Mais sa patte, voilà. J'ai aussi envie de vous faire découvrir des choses que je ne fais pas du tout, que je découvre, que je vous livre, parce que c'est plutôt bien les artistes qui créent et surtout qui communiquent pour qu'on arrive à les voir. J'aime beaucoup ça, ce qui n'est pas forcément mon cas, vu que vous êtes trois à regarder cette vidéo en ce moment. Et heureusement que je fais pas un live. Là, j'aurais pu mettre un gyrophare aussi. Non, ça fait très Green Daddy. Green Daddy, un groupe local lyonnais, je vous invite à aller voir. On a fait, il y a un an et demi, deux ans, on a fait Pélo ici, c'est Lyon ensemble. Enfin, c'est eux qui l'ont fait. Moi, j'étais juste là pour apporter mon expertise. On dit ça pour les experts, mon conseillage et mon cadrage. Donc voilà, Green Daddy, c'est le papa vert. Pélo ici, c'est Lyon. Il pratique la musique de façon très très intéressante, comme des autistes fous à l'aide d'électronique. J'adore ça, c'est très très bien. Ah, puis sur cette chaîne, je vais aussi balancer des comment que ça s'appelle, des after movies, parce que j'en fais déjà, voilà. Et que je trouve ça cool que vous les voyez, parce que c'est des projets sur lesquels je suis payé. Voilà, voilà comment je gagne un petit peu ma vie. Grâce à Pyramid Production, des STM, des associations, des autres, des petites entreprises comme ça, qui me font un petit peu m'amuser en soirée, qui me donnent des cartes blanches, et je m'éclate à faire la plupart. Des fois je me fais chier, mais la plupart je m'éclate à les faire. Donc je vous les posterai aussi sur ces deux chaînes. Bon, c'est des reports sous forme de clips de la soirée où je montre les gens qui s'amusent et les musiciens qui appuient sur des boutons. C'est
pas intéressant pour tout le monde. Mais tout ce que j'ai envie de poster sera pas intéressant pour que tout le monde. Il faudra faire un tri un petit peu. Ce sera à vous d'utiliser votre sens critique et vos goûts et de les appliquer. Hein. Je vais pas. C'est une chaîne. Hein. C'est pas non plus rien que pour toi que je fais ça. J'essaie de contenter le maximum et la première personne que je sais de contenter, à vrai dire, très égoïstement, ces trucs. Flèche vers mon nez, flèche vers mon nez. Bon, allez, un peu de musique. Cette fois, je suis sûr, je suis désaccordé, mais pas de beaucoup. C'était laid. C'était très très laid. On enchaîne. Et c'est pas cette note-là. And I pick a low wine, a search it off way. And I get a fucking point, a search on the same. Just a can't on time, take it down some. But the couple wanna go, and they search on the phone. When they take a fucking one, they got the search on the sun. Get the fuck away, when you're the search on the sunshine sign. Sit on the phone, take a tick on the sun. Till I think I'm a wee one, you gotta search on the phone. Take a power, look at one, you gotta send on the sunshine sign. Take a fucking one, you gotta send on the sun. Thinking I feel when I get into the city. And I think and I send another phone. When I get into the touch of a phone. And I get sent to the city. That is not jump far we lay. Tum tum far we enter and sign. Did they come bum bum we ding. Tum tum far we drink and unsee. And I take a puppet back and send it. Sent on the side. Take a puppet when you cut it. Send it back a back and back. And it's sent to the fight. Sent to go fight. Back a lot we look at that. It's sent to the side. Just sit up far we lay. I'm falling lay. I'm falling sand. Je vais m'arrêter là. J'ai des cours de chant à prendre. J'ai du mal. J'arrive pas encore à... Je vous prie de m'excuser, vos oreilles et tout ça. J'espère que j'aurai eu le courage de mettre un peu moins fort à ce moment-là. Parce que sinon, c'est vraiment du travail bâclé. Puis ça me ressemble pas. Freeze. Enchanté, Jérémy. Qu'est-ce que j'aimerais sur cette chaîne? Tiens, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais de la sincérité, j'aimerais de l'interactivité. Alors ça, l'interactivité, c'est pas facile. Faut que vous participiez. Franchement, moi, je vous force pas. Pas souvent que je participe, tout ça, machin, les pouces bleus, les commentaires, les partage sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de pas trop en faire parce que non, c'est chiant. Si vous avez envie de le faire, faites-le parce que ça m'encourage. Moi, ça me montre, tu sais, il y aura un clic et oh ok, le mec bon ok cool. Et puis 4 lettres en mode même si c'est juste NTM point d'exclamation, au moins je... Je sais pas, je sais que vous êtes là. J'ai envie de savoir que vous êtes en vie. Ah tiens, secret de tournage. Nous sommes ici à Pontcharrat-sur-Turdine, petit village du Rhône de 1200 habitants près de Tarare, à 30-40 bornes de Lyon. Mon logement que je quitte très bientôt. Le prochain, je le rangerai un peu.
Ça, c'est des boules de miel. Pas cher. Je rangerai peut-être, ou pas, je sais pas. Est-ce que je... Avant de vous parler de mon gros projet, le... ce dont j'aimerais... Les feux me manquent, et les mots aussi. Le gros projet que j'aimerais faire et que j'aimerais que cette chaîne aide d'un certain côté en allant chercher vous. Parce que pour faire des gros projets, on a toujours besoin de vous, que ce soit par des financements participatifs. Voilà, va falloir sortir les mots barbares, va falloir articuler. Arrête le rhum truc. Est-ce que je vous fais une chanson avant? Comme tu peux pas réagir, je sais pas genre si les chansons ça passe ou ça passe pas. Moi j'aime bien. J'ai des reprises un peu. J'ai des compos avec de l'impro au chant. Parce que j'ai pris cette guitare, c'est pas forcément pour vous faire un concert privé, c'est pour ça donne de la contenance d'avoir un objet qu'on parle à une audience telle quelle. C'est des petites astuces pour se donner confiance, parce que même si j'ai l'habitude de cette caméra, la plupart du temps je suis derrière leur caméra. Donc du coup, c'est toujours un petit peu impressionnant. Quel beau chaise. Petit Samyang 16,5 mm. Donc je sais pas, je vais faire quelque chose de court, hein. Faire un petit solo, un truc pas trop déprimant, parce que j'ai l'habitude de jouer des trucs un peu déprimants. Le bouton est là. Voilà. Donc le gros projet que j'aimerais bien faire et que j'ai déjà commencé à faire, hein, je pense que avec ou sans vous, je le ferai. Ce n'est qu'une question de temps, de volonté, de life aussi. La vie doit faire son chemin sur les projets artistiques, c'est très important pour moi. C'est un gros film, mais genre un gros film de trucs. Alors je vais quand même faire vivre ce personnage, le truc que je suis maintenant, et un peu moins maintenant quand je parle sérieusement. C'est faire un long métrage de trucs. Au départ, on a commencé à écrire avec Victor Schulti, qui est encore là, avec qui j'ai vécu, un incroyable auteur. Je vous invite à aller découvrir ses œuvres littéraires, parce que c'est sa plus grande passion, malgré qu'il excelle dans énormément de domaines. Donc on a commencé à écrire un film qui devait d'abord être un spectacle transmédia de... j'étais parti en couille. Un peu trop gros pour moi. Du coup, on a commencé à écrire le film, découpé en épisodes, puis finalement, on a un film pré-écrit. Pré-écrit, on va pas se mentir, il est pré-écrit, tu vois. J'ai pas le 100 pages de scénario avec les storyboards, le découpage et le casting. J'ai une préécriture, j'ai une très bonne trame qui tient bien. Un squelette, comme diraient nos amis morts. Pas trop mal. Enfin, ouais. J'ai pas trop écrit de long. Du coup, ce serait un premier. Du coup, je vais chouchouter. Je vais les réécrire, je vais le... Et j'aimerais bien qu'on soit assez nombreux pour pouvoir porter ce projet tous ensemble. Je dis bien tous ensemble. À l'écran. Oui, dans les salles, mais n'importe lesquelles, je m'en fous. Il y a quelques grands principes que j'aime bien et que j'aurais du mal à m'asseoir dessus. Ce serait quelque chose de... un projet indépendant. Dans son financement, dans sa diffusion et dans son message, surtout. Dans son message, un message que vous verrez quand vous verrez le film, hein. Peut-être que vous la regardez 10 ans après que le film. C'est la vidéo d'après.
algorithme YouTube, fais-nous plaisir. Et voilà, un long métrage avec truc en personnage principal qui vit une épopée. Je veux le faire sur cette musique lyrique parce que ça habille un peu. Truc et tous ses amis, truc et... Pas encore de film, de titre à ce film, mais voilà. Ce serait un gros projet qui pourrait bien sûr se faire avec des briques de broc. Vas-y, on se fait un long métrage sur un an avec les sous de maman, mais... Ma maman est à sec. Et puis, j'ai pas le temps d'être sans activité aussi longtemps, parce qu'il faut bien bouffer. Donc, plus on sera de fou, plus on rira, et plus on rira, plus moins il y aura de riz. La blague est mal. Si je continue à boire du rhum comme ça, je vais finir la vidéo bourré. Ce sera 30 minutes avec truc qui se bourre la gueule. Je prends des lampées, hein, il est pur. Juste un petit peu libre, voilà. Long métrage, bon, ça se découpe, hein, en web épisode, en web série. Ça se ferait bien aussi, d'un coup. Genre, les comédies françaises, c'est de la merde. T'as vu, il y a Clavier qui joue encore un raciste dans une comédie française. J'accepte, mais du coup, j'essaye de proposer quelque chose d'autre. Avec mes petits yeux et mes grandes mains, ou l'inverse. J'essaie de participer à cette culture française, surtout la culture française indépendante, on va même dire underground, alternative, hein, c'est une toute petite scène que j'occupe actuellement. Une toute petite scène, c'est moi et mes potes quand ils ont le temps. Voilà ce qu'on est à peu près. En nombre, ça fait. De là à là, je pense, à peu près. Ça fait tous couteaux, voilà, donc on est pour le moment. Et si on est 10 000 couteaux, ben vas-y, on se le fait, ce film. Puis tu seras dedans. Tu seras peut-être un peu co-financeur, coproducteur, tout ça. Tu seras peut-être figurant, tu seras peut-être technicien, tu seras peut-être même acteur, tu auras peut-être un grand rôle, tu seras peut-être. J'en sais rien, ça c'est l'avenir qui nous le dit. Puis si t'es sympa. Parce que moi je travaille avec des gens sympas, des gens qui peuvent, vont ou sont des amis. C'est très important pour moi de créer dans ces environnements-là. Pas que j'aime pas les relations professionnelles, mais je fais la guerre aux entreprises et à tout ce que ça véhicule. C'est mon capitalisme, bah oui, il a des drogues, il est forcément des systèmes. Je m'emballe, ceci est du scotch. Je vais manger une clémentine. Non, j'avais dit, je le faisais sur un texte lyrique. Au final, pourquoi je fais cette vidéo? Peut-être pour me sentir un petit peu moins seul dans cette journée qui dure plus d'une trentaine d'heures pour moi. Peut-être parce que j'ai envie de vous retrouver. Et d'à nouveau, vous voir sourire. Que ce soit derrière vos écrans, que ce soit dans les soirées lyonnaises ou autres, parce que, mon Dieu, que j'aime voyager. Que ce soit dans une salle peut-être où je projette mes films. Alors pour le moment il n'y en a pas vraiment. Je peux pas vous donner des adresses en mode hey, mon film il est là-bas, mais bientôt. Peut-être que bientôt. Je vais devenir Fleurbeur. Je vais le livrer jusqu'aux cieux. Thank you.
forcément, j'ai pris les quatre accords lyriques qui font que je dois me concentrer sur les guitares et que je peux pas déblatérer n'importe quoi. Là, on va reprendre plus simple, tiens. Jimmy Moriarty, la chanson la plus jouée à la guitare dans la rue et dans les soirées. On s'en fout. Alors, du coup, cette vidéo, pourquoi, pour qui? Alors déjà pour toi, ça c'est sûr, je l'ai fait pour toi, cette vidéo. Je la fais pour toi, je la fais parce que ça me fait kiffer de la faire. Je t'avoue que si tu dis juste présent dans les commentaires, mais je serais heureux, et si vous êtes 10, ce serait beaucoup. J'ai pas envie de grand chose, j'ai juste envie de communion, de solidarité, de tolérance, de partage. Et je parle pas de partage internet, j'en ai rien à foutre de ce que tu mets sur ton mur Facebook ou de ce que tu mets dans tes abonnements YouTube ou ce que tu vas voir sur ton smartphone. Tu fais bien ce que tu veux, c'est la liberté de penser. Mais de partage en vrai, genre des émotions, des trucs qu'on se véhicule, j'ai fait trois accords. Et faudrait que. Tu vois. J'aimerais donner une boule de miel à chacun d'entre vous pour que vous soyez contents et que vous puissiez soit la manger, soit la donner à quelqu'un d'autre. Ça paraît con, hein. Ça paraît même complètement... Mon mec, il a pris des champignons avant la vidéo. C'est pas vrai. Je déteste ça. Une cigarette. Mais ah, la communion, j'ai arrêté la guitare. Je suis imperturbé. Imperturbé ? Je suis perturbable à mort. Voilà, bon, mon envie en tant que créateur, parce que j'aime pas le mot d'artiste, ça fait un peu pompeux, mais c'est le lexique qui évolue, la langue française bouge à toute vitesse. C'est la langue française. Ouais. Ça fait peut-être aussi, peut-être utopiste, peut-être hippie. Ah, ça, on va me le dire. Pourquoi le sale hippie et tout ça? Vas-y! J'assume à fond, pas de soucis. Genre, je pense que j'étais un hippie quand j'étais pas encore né. Parce que... encore né. Ah, c'est un beau mot, ça, encore né. En un mot, hein. Encore né. Bref. Donc du coup, je vais être beaucoup sur les choses, ouais, le bien-être, je m'en fous, hein, t'as vu, ma clope, elle est pas bio. Le partage, franchement, cette mandarine, tu la touches, je te tue. Et le rassemblage, parce que certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, je ne fais pas les choses par hasard, c'est réfléchi et tout ça. J'essaye de m'ancrer dans une... les grands mots. Dans une scène militante. Oui, évidemment. Dans une petite place comme ça qu'on te laisse pas avoir. Trop, si tu le dis trop fort à trop de monde. Surtout aux mauvaises personnes. Donc voilà, militant, milité. Pourquoi? Pour qui? Pour vous? Pour toi? Pour nous? Ah, c'est simple. Genre, pourquoi on milite? Bah, parce qu'on vit, je pense. Pourquoi on s'oppose? Parce qu'on vit aussi, et parce qu'on a envie de continuer de vivre, rien que pour garder un certain... Mais voilà. On peut militer pour garder son confort comme un conservateur. Je veux pas que ça change. Ou on peut militer parce qu'il faut que ça change, parce qu'on est tous dans la merde. Et je pense que toutes les gens qui regardent cette vidéo ont des difficultés. Je pense que c'est notre point commun. Oui, on n'en veut plus des difficultés. Moi, j'ai des difficultés à quoi? On s'en fout, franchement. Ça t'intéresse? Tu poses la question, je te réponds. Pas déballer ma vie comme ça, là, déjà que t'es chez moi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Ça commence à partir en couille, cette vidéo. Je vais arrêter, hein, bientôt. Oui, on a des difficultés, donc on médite, on s'exprime, on dit qu'on n'est pas content. Et surtout parce qu'on est français, on adore le faire. Et moi, parce que je suis français aussi, et parce que... Le seul truc que je sais faire de mes 10 doigts à peu près sans que ça me fasse trop chier, c'est de la création artistique. Donc du coup, je le fais en chanson. C'est toujours le la. Je commence toujours par le la. Et on va se finir ça sur une chanson.
Parce que j'en ai bien trop dit ou pas assez. Et si j'en ai pas assez dit, eh ben je le dirai. Parce que c'est que le début. Tout n'est que le début, tourne la page et écris derrière. Allez, petite chanson. Sunset, got sun in your eyes, got a sunset on your smile. Sunset, you got the sun in your eyes, you got a sunset on your smile. Got a sun in your eyes, got a sunset on your smile. You got sunset, got a sun in your eyes, got a sunset on your smile. Something else gone, some for real, seven sonion, some for real gone. Down the way is burning gone, then top of California, some stage on suffering, take a foe, you already got it, we're gone, very. Time for fun, gonna find a set on sorry. Gonna set you tough for fun, gonna set you on sorry. You got a sunset, got the sun in your eyes, got a sunset on your smile. Sunset, got the sun in your eyes, got a sunset on your smile. And sunset, got the sun in your eyes, as it's all. So sorry, in movies, not you for snuts. She saw it back at the day, in full snuts, in my world, out on FM. C'est en quelque sorte ma vidéo de retour. Truc is back, truc is back, truc is back. Voilà. Donc, si t'en veux plus, fais-le savoir. Parce que j'ai pas envie d'arrêter. Et si t'as pas kiffé, dis-le pourquoi. Parce que sinon, c'est pas constructif. Allez, on va se faire un cap de fin. Oh, voilà. J'ai envie de mal. Je ne sais pas, car je n'ai pas de retour. Voilà, on joue avec la mise au point. Et on va faire un pendu au noir. Copain!